La saison estivale est bien amorcée dans différentes municipalités de la région, offrant plusieurs activités pour les citoyens. Entre autres, le service de loisirs et communautaire de Paincourt offre les mercredis une série de 6 ateliers culinaires barbecue en plein air, présentés sous le chapiteau des jardins du Parc olympique. Ces ateliers gratuits regroupent de grands chefs de restaurants locaux ainsi que des producteurs agroalimentaires de la région. Parce qu'on a des chefs qui rentrent à tous les semaines pour nous présenter différentes recettes. Aujourd'hui, justement, c'est le calmar et la pieuvre. La semaine passée, c'était le bœuf. Vraiment, tous les semaines, il y a une différente thématique, un différent chef puis un différent fournisseur. Ce mercredi, environ 150 personnes étaient réunies pour écouter le chef Christophe Tombarello ainsi que Thomas Spillet de la poissonnerie L'Artisan de la mer qui expliquait comment cuire pieuvre et calmar sur le grill. Les chefs sont super sympathiques, sont ouverts aux questions. Ils essaient de donner le plus d'informations possible aussi sur leurs produits et sur le produit qu'ils présentent et les recettes qu'ils présentent. Plusieurs autres activités sont aussi offertes sous le chapiteau Desjardins tout au long de l'été. À Paincourt, le lundi, on a le lundi dans les parcs. Fait que c'est vraiment, c'est là pour essayer de faire sortir le monde dans les parcs plus locales. Le mardi et le jeudi, il y a différents ateliers. Il peut y avoir des ateliers pour les enfants, il peut y avoir des ateliers pour les adultes. La plupart de nos activités sont au chapiteau. Le seul soir qu'on n'est pas ici, c'est le lundi soir. Visitez le site Internet de la ville de Paincourt pour la programmation complète des activités. C'était Caroline Lamarre à Paincourt pour Vaudreuil-Soulanges.tv.